Pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, donc le dimanche c'est le journal créatif de la semaine. Alors je vous rappelle ce que c'est le journal créatif de la semaine pour les nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne et à qui je souhaite la bienvenue. Toute la semaine je vous fais une récap en fin de semaine, donc que je filme le samedi soir et que vous voyez le dimanche. Avec tout ce que j'ai fait durant la semaine, donc ça peut être en broderie, en tricot, crochet ou tout autre loisir si j'ai eu l'occasion de faire d'autres loisirs créatifs. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va, alors la vidéo, ça va être, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Je vais d'abord vous redire ce que j'avais prévu grâce au tirage sur des roues. Il va y avoir la première partie, ce sera la broderie, et la deuxième partie, ce sera le tricot et le crochet. Voilà. Et on fera entre deux des tirages de roues pour savoir ce que je ferai la semaine prochaine. Voilà. Il y a eu le challenge que je fais, c'est un petit challenge personnel que je fais toutes les semaines, enfin j'essaye, puisque c'est la semaine, pas la semaine qui arrive, mais celle d'avant je crois, j'avais pas réussi puisque j'étais malade. Je me base sur 3000 croix par semaine, voilà, toute broderie confondue. Et je vous avais dit que si vous vouliez faire le challenge, il n'y avait aucun souci, allez-y. Comme ça, ça vous permet de voir combien de croix vous faites sur la semaine. Alors, vous verrez après si j'ai réussi mon challenge cette semaine. Voilà. Alors, je n'ai pas réussi à tout faire. Je vous explique. Vous avez pu voir en début de vidéo, je vous ai mis un petit bout où je suis en train de faire mon jardin et je vous ai remis après le résultat et puis quelques petites photos des fleurs qu'il y a dans mon jardin. Donc ça, je l'ai fait vendredi et ça m'a pris un peu plus de 2 heures déjà. Ouais, plus que 2 heures, ouais, 2 heures, 2 heures et demie. Et du coup, c'est du temps où je ne brodais pas, hein, mais il fallait faire le jardin. Et le jardin, ça, c'est ma partie à moi. Chouchou n'est pas du tout jardinier, du tout, du tout, du tout. donc, voilà, il y a eu ça. Et il y a eu un petit contretemps familial. Bon, je ne donnerai pas plus d'explications.
Mais là, bon, c'est un petit contretemps, mais pour l'instant, il est un peu en stand-by, mais bon, voilà. Mais bon, ça, j'en parle pas plus. Donc, ça m'a fait perdre un peu de temps aussi. Bah, je regrette pas, hein, mais voilà. Ça m'a fait perdre un petit peu de quelques heures aussi sur mon planning de broderie. Voilà. Et par rapport à ce petit contretemps, hier, j'ai dormi en bas. C'est pas avec Chouchou, hein, je vous rassure. C'est pas une dispute non plus, rien du tout, c'est rien de ça. Et du coup, après, j'étais très très mal à dormir dans le fauteuil, donc je suis partie me recoucher en haut. Et à 5 heures, donc j'étais me recoucher à 2 heures du matin, et à 5 heures, 5 h 30, Chouchou est venu me réveiller. Parce que Pacha avait été malade pendant la nuit et il y avait un petit problème à son pépette. Voilà. Et il n'y a que moi qui peux le toucher, surtout de ce côté-là. Donc je suis descendue et du coup la nuit a été très 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 courte. Voilà. Mais bon. Alors. Les roues, puisque j'en fis plusieurs. Alors, ma vie, ah oui, ça je l'ai fait, je peux le barrer, voilà. D'accord. Ouais, il y a quelques petites choses que j'ai pas fait du coup, et bon, c'est pas très grave. Alors, normalement, pour au tirage au sort des roues, pour l'estamper, je devais faire le cheval et le cerf. Dans les salles. Je devais faire le sale de Julia, le Hall Forest, le sale du Nouvel An et le sale mystère de Sabine, poussière d'étoile. En HAED, je devais faire le paysage, la Hidden Harbor et la Steampunk bleue. Pour le Stitch Mania, bon, tout est quand même fait partie du Stitch Mania, mais bon, mon Stitch Mania est un petit peu parti en vrille, hein, avec tous ces petits événements. Mais bon, il n'y a rien de grave, c'est pas, on s'en fiche un peu. Le principal, c'est de prendre du plaisir à broder. Alors, pour le Stitch Mania, j'avais prévu de continuer mon Fox de Cottage Garden. Je devais commencer la broderie Lucas, l'aquarium. Donc, cela n'avait jamais été brodé, donc je devais le commencer. Je devais avancer un UFO. Donc, un UFO, c'est une broderie qu'on a mis un peu de côté. Donc, c'était le calendrier de l'Avent, que j'aurais dû terminer l'année dernière. En broderie point compté, je devais travailler sur la grenouille de poussière d'étoile, le Bouddha de poussière d'étoile également, et de mes carottes de Lily-Point. Voilà. Et niveau tricot, bah, de toute façon, j'ai trois tricots en cours, donc c'était soit le débardeur, soit le pull Armel, soit le pull Filda. Voilà. Donc, on va voir ensemble bah, si j'ai fait tout ça et bah, de combien de points j'ai avancé mes broderies. Alors, on va commencer bah, par celle que j'ai à côté de moi. Ça ne va pas vous dire grand-chose, hein, comme ça. Voilà. Donc, c'est la Lucas, voilà l'aquarium. Je l'ai commencé. Bon, j'ai pas fait énorme, hein, vous voyez, mais elle est commencée. Donc je suis sur ce. Attendez, que je me mette à mon doigt. Non, celui-là. Je suis sur ce poisson ici.
si je me trompe pas. Attendez. C'est bien celui-là. Voilà, donc je suis sur celui-ci. Voilà. Donc c'est sur une toile Aïda 16 CT. Donc c'est une 6,3, hein, une Aïda 6,3. Et j'ai 57 couleurs pour broder. Voilà, donc c'est une toile Aïda, mais vous voyez, c'est une toile dont les carrés sont marqués. Donc ça, c'est bon, c'est commencé. Alors, j'espère ne pas trop bâiller parce que, je vous dis, j'ai très très mal dormi et du coup, j'ai pas eu mon quota d'heure. Donc ça, j'ai fait 200 croix. Bon, c'est pas énorme, hein, mais les 200 croix sont là. C'est ce jour-là, de toute façon, mercredi. Mercredi, j'ai pas vraiment pas fait grand-chose. Hein. Je vous montrerai le reste. J'ai vraiment, vraiment pas fait grand-chose. Ensuite, alors, je vais prendre où? Oh, mais pour une fois, je vous montre les estampés tout de suite. Alors, ça, c'est... Oui, j'ai fait mon cheval. Alors, je vous le remontre. En grand, voilà. Hop. Voilà. Voilà, je vous remontre en grand mon cheval. Donc, il est, on va dire, à 80, ouais, 80%, il est terminé. Là, j'ai travaillé là sur le fond. Ici et là, alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais là j'ai brodé aussi dans cette partie-là. Donc vous voyez, je vous montre en vous montrant derrière. Bon, dans le cheval lui-même, il y a encore des points à faire. Hein. Je vous montre par exemple, vous voyez, dans l'œil, le harnais n'est pas terminé. Là, le haut de la tête n'est pas terminé, ici aussi. Bon, il y a des endroits, vous voyez là, bon, c'est un peu bête, hein. Il y a des endroits, des fois il manque une seule croix, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ici aussi, vous voyez là, il y a une ligne là qui n'est pas faite. Voilà. Mais bon, c'est tout des petits points par-ci, par-là à faire. Dans les naseaux, pareil, tout n'est pas fait. Mais bon, un petit peu à la fois. Mais je l'aime beaucoup, hein, cette broderie. C'est pour ça, bon, je voudrais bien qu'elle se termine, que je puisse la laver et l'encadrer, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très, très belle. Alors, à l'époque, je l'avais eue chez VIP Crostiche. Voilà. Ah mince. C'est rien, c'est pas grave. Ma petite fille est venue tout à l'heure. Enfin, je l'ai gardée cet après-midi. Et elle a fait des dessins, tout ça. Et je vois qu'elle m'a mis un petit peu de feutre sur mon truc. Bon, tant pis. Donc, mon cheval. Il est où? Je l'ai marqué où? Ah, je l'ai marqué là. Mon cheval, j'ai fait 300 croix environ, plus ou moins. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je le remballe. Ça, oui. Alors, j'ai travaillé sur le cerf. Alors, ici, le gris, là, vous voyez, toute cette partie-là. Donc, bon, c'est pas beaucoup, mais je l'ai fait. Alors, le cerf, j'ai
fait plus ou moins 300 croix également. Voilà. Je voulais essayer de terminer, du coup, le gris, là, le gris se fait sur le violet. Mais pareil, je dis, j'étais pas mal. Cette semaine, j'ai quand même eu pas mal d'interruptions. Et du coup, voilà. Mais bon, le principal, c'est de l'avoir fait. Alors, le cerf, si vous ne connaissez pas, c'est ça, c'est ce dessin-là. Voilà. Donc, c'est que du bloc. Il est très agréable à faire. Je l'aime beaucoup. J'avance doucement, mais sûrement. Alors, il y a une couleur que je ne fais pas tout de suite. Voyez là, le vert. Tout ce qui est vert, je ne vais pas le faire tout de suite parce que c'est en blanc. Et du coup, le blanc, je vais le faire en dernier pour qu'il ne se salisse pas. Voilà. Donc, le blanc sera fait à la fin. Alors, le cerf, est-ce que je vous ai dit, je ne sais plus. Plus ou moins 300 points également. Et j'ai fait un petit peu. Alors, je pensais la terminer, mais je n'ai pas réussi. C'est rien, il reste quelques jours avant la fin du mois. Hein. Donc, je ne suis pas encore en retard. Voilà. Les petites fleurs. Alors, ça, ce n'est pas les fleurs du mois. Hein. C'est une autre série. Voilà, il y en a 8. Et donc, là, je suis sur la 6e. Voilà. Donc, j'ai avancé le blanc, là. Vous voyez. Bon, on voit pas beaucoup que c'est blanc, hein, mais comme il y a une couleur derrière, il y a la couleur bleu foncé, quand ce sera lavé, ce sera beaucoup plus joli. Voilà. Bon, il ne reste pas grand-chose à faire en croix. Mais après, j'aurai le point arrière et le point arrière. Oh, il va pas être compliqué. Non, ça va être vraiment que l'entourage. Donc, vous voyez, ça va être de l'entourage. Voilà. Donc, ça ira. Ça ira quand même assez rapidement, normalement. Bon, monsieur, je l'ai sorti, ça. Et ça ne veut plus rentrer. Voilà. Alors, pour les estampés, c'est tout. Et du coup, ben, on va faire le tirage au sort. J'ai pas, non, j'avais pas avancé sur ma Madame Celtique, non. Alors, on va regarder. Je suis vraiment très, très, très fatiguée. Je crois que je vais faire un gros dodo ce soir. Alors, les estampés, les voilà. Alors, pour les estampés, j'ai le cheval, le cerf et la dame de Noël. La fleur, je ne la mets pas dedans puisque de toute façon, je la fais à chaque fois. Donc, on va choisir sur ces trois-là. Bah, le cheval. Le cheval. Alors, je vais le noter tout de suite. Voilà. Et on va en tirer un deuxième. Oh, bah le cerf encore.
Encore le cerf, bon. Voilà. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Donc, celui-là, c'est fini, le sac. Alors, ça, je l'ai pas fait. Ça non plus. Je sais même plus ce que j'ai fait. Je suis un peu chafouin cette semaine parce que bah, j'ai pas pu vraiment faire ce que je voulais et du coup ça m'embête un peu. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est mon ours. Alors, pareil, j'ai pas fini mon étape, mais le mois n'est pas terminé. Donc, je ne suis pas en retard. C'est mes ours de Noël. C'est un sale que j'organise sur sur mon groupe. Voilà. C'est un modèle de chez All Forest. C'est un modèle gratuit. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, tout ce qui est vert, ici et ici. Donc là, il me reste à terminer sa veste. Après, il y aura le blanc de la tête, le cou. Il y aura du blanc pour les mains et les pieds. Voilà. Et il y aura aussi une petite frise ici en bas. Voilà. Alors, ces ours de Noël. J'ai fait pareil, plus ou moins 300 croix. Voilà. Donc lui, je le brode sur une étamine teintée main de chez Tom et Lily Création. Voilà, c'est couleur jean. Alors, ensuite, c'est quoi? Oui, j'ai avancé ma grenouille. J'ai avancé ma grenouille. Je l'ai bien avancée. Donc, voilà. Bon, je n'ai pas encore changé de tambour, ça ne devrait pas tarder. Alors, j'ai fait ici en bas, dans les yeux, là, ici autour. Voilà, là. Voilà, il y a un petit peu partout. Sinon, je vous aurais mis la photo, hein. Voilà. Alors, elle est très agréable à faire, hein, elle est très jolie. Bon, maintenant j'ai quand même hâte de la terminer. ma grenouille, j'ai fait 408 croix. Et en niveau pourcentage, je suis arrivée à 49,65. Donc là, je suis, pour ainsi dire, à la moitié de la broderie. Donc, c'est top. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Excusez-moi, j'ai même les yeux qui pleurent, c'est une horreur. Non, celle-là, je ne l'ai pas
faites. Non. Après, je vous montre ceux que j'ai pas fait. Hein. Voilà. Ça non. Oui. Non. C'est pas là que je veux. La mince, elle est où? Ah, elle est là. Alors, je rattrape mon retard. Voilà. Je rattrape mon retard. J'ai terminé mon étape 3 de mon salle du Nouvel An. Bon, on en est à l'étape 5, hein, donc j'ai commencé mon étape 4 ici. Voilà. Donc, je rattrape mon retard un petit peu à la fois, mais bon, ça va. C'est vrai que là, je vais un peu stagner, mais vous voyez, il y avait quand même beaucoup de mélange. C'est la fourrure de chat là, et du coup j'étais un petit peu dans la panade. Voilà, mais ça y est, ça avance. Il me reste à faire l'étape 4 et 5. Bon, pour ce mois-ci, ce sera pas terminé, hein, soyons francs, mais j'espère pouvoir rattraper au maximum ici au mois de juin. Et oui, on est déjà au mois de juin bientôt. Oh là là, ça passe vite. Alors là, j'ai mis ah voilà, j'ai fait plus ou moins 350 croix. Alors, quand je vous dis plus ou moins, c'est parce que ce sont des broderies que je n'ai pas pu mettre sur Pattern Keeper. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. C'est quoi? Non. Et ça? Non. Alors. Niveau broderie et salle, voilà ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas fait, enfin, je n'ai pas eu le temps de faire donc le salle All Forest de Julia. Je vous montre où j'en suis toujours. Hein. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, de toute façon. Voilà. Ça n'a pas bougé, mais je suis pas loin du bout de mon étape, hein, donc ça va, je suis pas beaucoup en retard. Bon, c'est pareil, je vais dire, il reste quelques jours, mais bon, s'il me reste quelques jours sur chaque broderie, je suis en retard, j'aurai quand même du mal à rattraper le retard. Je n'ai pas fait non plus le sale mystère de, bon, qui n'est plus un mystère, de poussière d'étoiles. Donc, je vous remontre où j'en étais la dernière fois. Bon, là il y a des fleurs et là aussi. Hein. Voilà. Et là, vous voyez. Donc, j'en suis toujours à sa tête. De toute façon, là, c'est l'avant-dernière étape. Et là, il y aura la dernière ici. Et elle sera terminée. Il faudrait que j'essaye de mettre un bon coup de collier cette semaine dessus pour avancer au maximum. Parce que là, il n'y a pas. Il faut que je termine absolument les broderies. Je pense que ça va être un peu mon challenge de cette semaine. De terminer au max les broderies.
donc terminer ou me rattraper les étapes en retard. Donc je vais me le marquer d'ailleurs. Voilà. Donc à terminer, bon, ça m'étonnerait, mais je marquais avancer max. Voilà. Comme ça, cette semaine, je vais travailler sur cela. Donc, il y aura le mystère, le sale mystère. Voilà. Déjà, peut-être tout au moins terminer cette avant-dernière étape qui est ici. Donc, ça, je me le mets dans mon petit challenge de la semaine. Voilà, celui-là. Le sale de Julia. Bah écoutez, là j'en étais à combien de points la dernière fois, je ne sais plus. Ah, excusez-moi, je renifle encore un peu. Le sale de Julia, je l'ai fait quand? Excusez-moi, j'ai fait une petite pause mouche-mouche. le sale de Julia, ça fait un petit moment que j'ai pas été dessus. Je viens de vérifier. Ça fait 3 semaines. Et je suis quand même déjà à 61,29%. J'aimerais bien du coup arriver à 70%. Comme ça, bah, il en restera plus beaucoup. Voilà, donc je me le marque. On va essayer de faire 70%. On va essayer, hein. Je ne le garantis pas. Donc ça c'est bon. Alors cette semaine, alors là j'avais travaillé dessus la semaine dernière. Ça, hein. Ouais, la semaine dernière. Donc, il faudrait que j'avance. Alors, je vais vous montrer ce que je voudrais avancer. Hop. Voilà. Donc, voilà où j'en étais. Là, il y a les mêmes vases, hein, ici en bas. Donc, je voudrais faire le deuxième vase qui est là. Terminer la bordure qui est là. Et est-ce que j'ai autre chose à broder? Non, c'est tout. Il n'y a que la bordure et un pot de fleurs. Voilà. Alors, je vous montre là au milieu. Vous voyez? Hop. Donc ça, là et là. Donc je voudrais terminer ça. Voilà. Donc, on se le met dans le challenge de la semaine prochaine. Bon, je ne vais pas pouvoir tout me mettre, hein, mais comme c'est la dernière semaine du mois, voilà, je voudrais en profiter pour rattraper mes retards. Donc, Alice, le sale de chez Alice. Donc ça, c'est un modèle All Forest aussi, hein. C'est un modèle gratuit. Il existe en 2 versions, en multicolore et en 3 couleurs, comme moi je fais. Donc, bah, terminer voilà, le pot et la frise. Ça devrait ne pas poser de problème. Je n'ai pas fait, et là par contre j'ai beaucoup de retard. J'ai très beaucoup beaucoup de retard. Mon colibri, voilà, pareil, de poussière d'étoile. Donc ça c'est un sale que j'organise avec une création de Sabine. Là on est arrivé 2, 3, la troisième étape, et moi j'en suis toujours sur la première, mais j'ai commencé à le déborder, hein, sur les autres étapes. Voilà,
Mais il faudrait que je termine. Alors, je vais me mettre en objectif de terminer l'étape 1. Ce sera fait. Et après, si je peux faire plus, ben, je ferai plus. Alors, colibri, terminer étape 1. Voilà. On verra hein, si j'y arrive pour la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas de contretemps. Bon, déjà lundi matin, on n'est pas là, mais bon. Ce n'est pas grave. Alors, ça c'est bon. Oui, du coup, je viens de vous montrer. Je veux terminer alors les ours, terminer mon étape 2. Voilà. Comme ça, je serai à jour. Ça, c'est la grenouille, donc pour l'instant, je ne dis rien. Mes carottes. Mes carottes. Ma bête noire, vous le savez, hein, je n'en peux plus. Je l'ai même, bon, je n'ai pas eu le temps de la sortir cette semaine. Mais là, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre de l'avoir toujours dans mon panier. Parce que là, je voudrais vraiment qu'elle soit finie. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir cette broderie que j'adore. Mais voilà. Donc, je suis dans le feuillage, toujours. Donc là, il y a encore une feuille entière à faire. Et après, à terminer un peu les autres. Vous voyez, ils ne sont pas finis. Il faut absolument que je m'en sorte de cette broderie parce que là, pouh, je n'en peux plus. Elle me sort par les yeux, elle me sort par le... Oh! Voilà, pourtant elle est magnifique. Hein? Alors, je ne me la mets. Alors, vous allez dire, je suis contrariante. Mais je ne me la mets pas cette semaine. Cette semaine, je veux terminer enfin, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, le sale mystère, les avancées au maximum. Sale mystère, le sale de Julia Forest. Terminer mon étape de Alice au Pays des Merveilles. Terminer mon étape 1 du colibri. Et terminer mon étape 2 des ours de Noël. Après, si jamais il me reste du temps, ben, s'il me reste du temps, ben, j'ai encore mon Bouddha. J'ai mon Bouddha, j'ai mon Bouddha et j'ai mon sale de Nouvel An. Voilà. Mais ça, c'est. Alors, je vais le mettre entre parenthèses parce que c'est s'il me reste du temps. Alors, le Bouddha. Bon, là, vous avez vu, j'ai pas tiré exceptionnellement la roue. Mais on reprendra bien les roues la semaine prochaine. On va quand même tirer pour les achats ED après. Alors, j'ai dit le Bouddha et le Nouvel An. Voilà. Donc, je remets tout ça en place. Et je suis là tout de suite. Alors, niveau du Stitch Mania, j'ai avancé. Alors, je ne l'avais pas prévu, mais j'ai avancé dessus. Alors, vous voyez, des fois, bon, je tire des choses au sort, et puis en fin de compte, après, j'ai pas envie. Donc, je fais autre chose. Bon, c'est pas très grave. J'ai avancé sur mon Caroline Manning. Voilà. Donc, j'ai fait 300 croix. 300 croix tout rond. Voilà. Donc, très joli, très agréable à faire. J'aime beaucoup. Donc là, entre deux, tout ça, il va y avoir du 38-65. C'est une couverture totale.
J'ai hésité à le faire en total comme prévu ou pas. Mais je pense que je vais le faire en total, comme il est prêt, comme il est demandé. Donc là, j'ai fait 300 croix tout rond. Donc là, il n'y a pas vraiment faire autant de croix, faire ceci. Donc là, j'avance et puis c'est tout. Donc sur le Stitch Mania, c'est tout ce que j'ai fait avec en plus donc mon UKS que je vous ai montré au début. J'avais prévu de travailler sur mon Fox, je vais le faire aujourd'hui, puis du coup j'ai pas eu le temps, j'ai eu de la famille qui est venue en plus à la maison. Et je devais faire mon UFO, le calendrier de l'Avent. Je l'ai pas fait. Voilà, tout simplement, pas eu le temps. Alors, comme c'est la dernière semaine du Stitch Mania, je vais quand même tirer au sort. Ah, la pub TikTok, bien sûr. Hop. Voilà. Oui, donc je vais quand même tirer au sort. Alors après, elles ne seront plus dedans. Hein. Les broderies qui sont là dans le Stitch Mania, elles vont aller dans les broderies point compté. Ah, mince, il s'est arrêté. Voilà. L'aquarium. Voilà, donc l'aquarium. Et un deuxième. Le Caroline Manning. Voilà. Donc ça, je l'ai remis dans. Là, il y aura des. Justement, il y a des broderies qui devaient être commencées, qui ne seront pas pour le moment. Mais ça, c'est pas très grave. Hein, je les commencerai plus tard. Voilà. Donc ça, c'est ma pochette Stitch Mania. Mon sac Stitch Mania. Hop! Voilà. Ça avance, hein? Maintenant, on va regarder les grandes broderies, donc les grandes plus les achats ED. Bon, il n'y en a pas 50, hein, heureusement, mais je vais vous les montrer. Mais avant, je vais me chercher un petit verre de thé, j'ai oublié de me le prendre, parce que j'ai très, 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 très soif. À la vôtre! Alors, les grandes broderies. Alors là, je vous en montre une que je fais en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Elle fait un floustube tous les 15 du mois. Donc vous verrez le sien à ce moment-là. Mais bon, moi je vous montre toutes les semaines, c'est pas grave. Allez. Voilà.
Donc, c'est le sampler que je fais avec donc Sonia. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vous avais dit, nous, on le fait en fil étoile. En fil étoile de chez DMC. Voilà. Donc, moi, je fais bicolore. La plus grande partie ici en bleu marine. Et donc, ça doit être le 823, si je ne me trompe pas. Et je fais des petites touches en bleu turquoise, comme ceci. C'est le 995, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc il avance bien, doucement, mais sûrement. Et il est très très beau. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah, voilà. J'ai fait 351 croix. Voilà, donc pour l'instant, en tout, j'en ai fait 658 et je suis à 1,69%. Bon, c'est le début, hein, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Très, très joli. Alors, je ne sais pas où les mettre. Là. Dans les grands, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, ça y est, je vais vous montrer les achats ED en même temps, puisqu'ils sont dans le sac. Hop. Alors, mon paysage. Alors là, je suis partie un petit peu ici en horizontale. Ben, j'avais envie, tout simplement. Voilà, hop, je resserre. Je voulais partir un peu par là. Donc là, je le fais en escalier. Vous voyez, là, il y a une case. Donc en bas, je le fais pas. Il y a une case. Voilà. Je vais descendre comme ça. Après, je vais remonter. Enfin, je vais. Je bidouille en ce moment dessus pour ne pas me lasser. Voilà. Bon, celui-là, je risque pas de me lasser parce que je l'aime beaucoup. Mais j'ai voulu changer un petit peu ma façon de faire. Et ça va. Ça me plaît bien de faire comme ça également. Alors là, bon. Vous voyez, il manque deux points, mais c'est parce que j'attends d'avoir le fil qui doit être ici en bas et je remonterai pour le faire. Voilà. Là, pareil, il manque un point, mais je vais le faire après. Et vous voyez, là, j'ai commencé déjà à décaler pour d'une case. Voilà. Celui-là, je l'aime toujours autant. Toujours aussi agréable à faire. Et là, quand j'ai fait cette façon-là cette semaine, mais j'ai eu l'impression de broder plus vite, de faire plus de travail. Donc, je pense que je vais continuer un peu comme ça. Puis, si j'ai envie de rechanger, je rechange. Voilà. Je ne suis pas tenue à une seule méthode. Voilà. Alors, comme je disais avec un de mes abonnés, le nom des méthodes, les noms anglais des méthodes pour les HAED, je les retiens pas. Donc, voilà. J'arrive pas à les retenir. Et parce que déjà, c'est en anglais. Et du coup, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est pas grave. Je fais ma petite manière, ma petite façon à moi. Et le principal, c'est que ça avance. Alors. Ah oui, j'avais bien travaillé. Vous voyez, de cette façon-là, j'ai quand même brodé beaucoup. J'ai fait 510 croix. Donc, c'était pas mal. J'ai déjà brodé dessus 5565 croix. Et je suis à 4,12%. Il y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf avant d'arriver au bout. Mais voilà, j'aime beaucoup.
Et ici, c'est... Ah oui, ma steampunk. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir. Oh, attendez. Ça s'est déroulé. Je vais le remettre. Voilà, excusez-moi, petit problème technique. Voilà. Ah oui, j'ai perdu un aimant. Ah, je l'ai retrouvé. Attendez. Voilà. Oui, j'avais un aimant qui était parti, du coup, je l'ai remis. Bon, on ne voit pas encore beaucoup avancer. Mais, alors. Là, vous voyez pas bien parce qu'il y a les fils hein, qui sont devant. Mais ceux-là, je vais les broder là, cette semaine. Alors, je vous mets la photo en même temps et vous allez pouvoir. Je serai certainement entouré en rouge là où je suis. Là, c'est le bleu, la turquoise que vous voyez. C'est le début de la première rose. Et ça, c'est la pointe de la feuille. Voilà, que vous voyez également sur le dessin. Voilà, je suis contente, c'est d'être arrivée à la première rose. Alors du coup, je vais peut-être aller aussi en vert. Bon, je voudrais terminer ces fils-là, parce que là, ils m'embêtent. Et je voudrais partir un petit peu en horizontal pour pouvoir attaquer les roses et le chapeau. Et après, je vais redescendre et voilà, et repartir en horizontale, descendre en horizontale. Voilà, je pense que je vais faire comme ça pour commencer à voir le dessin. Alors, la steampunk, on dirait pas, mais j'ai bien travaillé dessus également. J'ai fait 501 croix. J'en suis à 1928 croix, soit 1,60%. Alors, des fois, il y en a qui me demandent, mais comment tu sais tes pourcentages, tes nombres de points? Excusez-moi, mais j'ai vraiment très, très soif. Bah, c'est qu'avec Pattern Keeper, je vois où j'en suis sur mes broderies. Voilà. Donc, cela, c'est bon. Ce sac-là, c'est bon. Je vais faire dans l'autre sac. Alors, mes pans royaux de chez All Forest. Voilà. Donc, je n'ai pas marqué mon pourcentage. Je vais regarder. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais alors là, vraiment pas. J'ai fait 100 croix. J'ai fait une centaine de croix et elles sont juste là. Voilà, c'est ça. Bah c'est là où on m'a prévenu de quelque chose. Du coup, bah j'avais arrêté et je n'avais pas repris de broderie de la journée. Voilà. Alors, ici, tout ce qui est là. C'est du coton mouliné 550 de violet. Là, on dirait un peu noir, mais c'est du violet. Hein. Et ce qui est ici, voyez l'arabesque là, et ici, elle est pareil, en fil couleur 550. Alors, non, vous verrez pas que ça brille, mais c'est du fil étoile. Voilà. Donc, comme je vous avais expliqué, je vais faire sur cette broderie-là des petites touches à droite, à gauche, avec du fil étoile. Ça me plaît pas mal. Bon, quand on le voit de près, on voit, hein, même si je le mets de loin, moi, je vois que c'est du fil étoile. Et là, malheureusement, en retour, sur le téléphone, c'est pas évident du tout. Voilà, alors celui-là, je vais vous dire à combien je suis. Alors,
mes pans royaux, ils sont là. Je suis à 13,59%. D'ailleurs, je vais me le marquer comme ça. 13,59%. Et pour l'instant, j'ai fait 4362 croix. 4362 croix. Voilà. Et il y en a 32 089 à faire. Donc là, j'en suis. Il me reste dans les 28 000 croix à faire, à peu près, même non, un peu moins. Donc voilà. Mais il avance bien. Je trouve qu'il avance bien, celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, attendez, je vais poser ça là. Hop. Ah oui, je crois que j'ai travaillé dessus. Oui, j'ai travaillé dessus. Pas beaucoup, mais j'ai fait un petit quelque chose quand même. Bon, c'est pareil, il faut que je remets des pinces là. Alors, je ne sais pas si vous allez beaucoup voir ce que j'ai fait. Mais voilà, de toute façon, je vous aurais remis la photo hein, très certainement. Là, c'était pas fait ici, donc ça y est, c'est fait. Et j'ai commencé donc à avancer ici. Voyez, là, c'est pareil parce que je suis au premier pic qu'elle a dans les cheveux, donc là, c'est pour ça que je vais partir comme les autres en horizontal. Un petit peu pour commencer à découvrir les pics, les cheveux, voilà. Donc là, elle est sur une étamine Easy Count, hein. Voilà. Alors, on m'a reposé la question de savoir ce que c'était, où est-ce qu'on les trouvait. Je fabrique mes bobines moi-même. J'essaierai, si j'oublie pas, de vous mettre le lien. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment les fabriquer. Voilà, donc c'est tout simple, c'est des canettes de machine à coudre. Faut que je me trouve des... Alors, on a ça, voyez, mais c'est pas, ça me va pas. Faut que je me trouve des autres clips. Désolée. faut que je me retrouve des autres clips. Mais pas les grosses pinces blanches comme vous avez pu voir. Je voudrais vraiment des clips. Et j'ai l'image dans ma tête, mais je ne sais pas si ça existe. Il faut que je regarde sur Amazon, par exemple. Ou sinon, avec les grosses pinces à cheveux. Ça, c'est bien aussi. Mais bon. Mais parce que ces petits trucs-là en caoutchouc, c'est bien pour les toutes petites broderies, mais pas pour ça. Alors, on arrive déjà à la dernière broderie. Eh oui. On est quoi, à une heure? Bon. La vidéo ne se fera pas deux heures comme la semaine dernière, j'en suis désolée. Mais. Un coup. Oh mon Dieu! Attendez. Je vous ai donné un coup. Vous n'avez pas eu mal, hein? Oh là, ça y est. Pas bouger. dernière broderie, donc, c'est ma maison météo. J'ai fait mes températures de la semaine. Ici, voilà. Donc, j'ai juste fait mes températures. Voilà, je vous montre. Alors, c'est pareil. Je voudrais essayer d'avancer un peu plus. Bon, là, je voudrais finir le toit, mais même s'il n'est pas fini maintenant, le toit, c'est pas grave. Je vais réenrouler un peu ma broderie, voyez, pour qu'elle arrive ici au deuxième rang. Comme ça, comme on va bientôt attaquer en dessous,
Comme ça, je vais peut-être pouvoir commencer à broder l'arbre. Parce que j'ai pas tout brodé encore en bas. Il y a encore l'arbre, le chat, le parapluie, la brouette, les petits bouquets de fleurs et la pelouse. Voilà. Parce qu'avec, si vous avez vu ma vidéo hier sur mon déballage de commandes de mère en fille, vous verrez que j'ai pris des fils spéciaux. Et il y a dedans des fils 100% laine. Et je vais m'en servir pour faire certaines petites choses sur cette broderie. Voilà. Et comme ça, je pourrais vous montrer le résultat. Et comment je me sers de ces fils-là. Voilà. Donc voilà ma maison météo. Bon, il fait pas encore très très chaud, hein, vous voyez. Là aujourd'hui on a eu 20, demain ils disent 21, mais bon. Mais demain il re... aujourd'hui il n'y a pas plu. Hier il a plu un peu, mais il a fait très beau, mais après il a plu un petit peu. Aujourd'hui il n'a pas plu, mais demain il pleut. C'est une année horrible. Y a du feu d'artifice. On a la fête médiévale aujourd'hui ici chez moi. Moi j'y vais jamais, hein, ça m'intéresse pas. Mais j'entends qu'ils font fais dodo, c'est rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est rien, mon pépère. Oh, c'est rien. C'est des petits pétards. Oui, tu es tout chaud. Alors lui, il fait des gros dodos, parce que du coup, il a très très mal dormi aussi cette nuit. Et là, il est très fatigué. Je vous porte pas hein, parce qu'il fait 7 kilos, il est très lourd, c'est pas cher. Le petit bichon, enfin le petit bichon, le bichon, on va pas dire petit. Allez, va faire dodo, va faire dodo, mon pépé. Donc voilà, niveau broderie, bah, c'est tout. Voilà, et attention, il y a mes mères qui va arriver. Je vois qu'elle va prendre son élan. Ouais, niveau broderie, niveau ce que j'ai fait cette semaine, bah, c'est tout. C'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé, mais bon, il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues dans la vie personnelle. Et du coup, bah, voilà. Donc ça. Je peux le ranger. Hop. Voilà. Hop. Excusez-moi. Alors, tout le monde dormait. Et avec cette connerie de feu d'artifice, tout le monde est réveillé. C'est pas prévu le feu d'artifice pourtant. Ou alors, c'est des gens qui se marient, qui. Des fois, ça arrive, hein, ils claquent des feux d'artifice. C'est interdit d'ailleurs pourtant, mais bon, je vais vous remettre ça. Du coup, bah, j'en ai deux qui veulent faire la pause. Pipi. Allez, je les fais sortir, je reviens. Alors, on va tirer au sort les HAED. Donc en HAED, alors je vous dis pour l'instant, je ne sais plus si je vous l'avais dit, j'ai un de mes abonnés qui m'a offert le hibou du savoir. Voilà, donc je vous remets l'image. On va normalement le commencer en septembre. Normalement. Mais j'ai aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle cette créatrice, attendez, HAED, après, elle est super connue,
Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. En même temps, est-ce que c'est... Oui, profitez-en, c'est à 50% hein, cette semaine. Comment? Les créations, les grilles de broderie sont à 50% en ce moment sur le site HAED. Alors, comment ça s'appelle? Oh mince! En plus, les brodeuses ne connaissent qu'elle, et moi aussi. Mais j'ai un trou, j'ai un trou, j'ai un trou. Mince. Je vais trouver. Je vous jure, mes gens, il ne fait pas bon vieillir. Il ne fait pas bon vieillir. Quand je vais vous dire le nom, vous allez me dire, bah oui, on connaît. On connaît. On connaît même que ça. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve quand ça fait, quand vous n'avez pas la tête qui suit. Vous allez voir que j'ai pourtant je l'ai pas dépassé. Attendez, je reviens. J'ai trouvé Aimée Stewart. Voilà, vous voyez, en plus, on connaît qu'elle. Elle a sorti il n'y a pas longtemps une nouvelle grille, une nouvelle broderie. Vous voyez les styles qu'elle fait, les styles bibliothèque. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaierai de vous mettre l'image. Voilà. Donc, c'est avec plein de toutous. Il y a des chiens tout partout, là. Mais bon, on les voit. L'image est... Alors, j'essaie d'agrandir un petit peu pour que vous voyez. Il y a des chiens partout. Pas facile de vous montrer comme ça. Puis avec mon anneau lumineux, voilà, vous voyez. Voilà, il y en a plein partout. Donc, à la fin de l'année, alors je crois que c'est au mois de décembre, elle va sortir la même chose, mais avec des chats. Voilà, ça fait bizarre mes cheveux. Elle va sortir avec des chats. Donc, on verra bien à ce moment-là. Bon, par contre, c'est un super grand modèle. Je verrai. Bon, il n'y a que 90 couleurs pour les chiens. Donc, je pense que ce sera à peu près pareil pour les chats. Voilà, ça fait 775 points sur 550. Donc, c'est quand même un peu grand. Je verrai. Mais bon, c'est Sonia qui veut m'embarquer là-dedans. Coucou Sonia, merci. Mais bon, on verra le moment venu quand ça sortira. Voilà. Mais sachez que là, elle a fait donc la bibliothèque des chiens. Et il y aura bientôt la bibliothèque des chats. Voilà. Ah oui, j'étais en train de dire qu'on allait tirer au sort. Voilà, ici. On entend encore la musique. Le parc n'est pas tout, enfin pas tout près, il est à 3-4 rues. Mais on entend la fête médiévale.
Alors, j'ai un petit frisson dans le dos d'un coup. Hop. Alors, le paysage. Youpi! Alors, HALD. Le paysage. On va en sortir un deuxième. Un masque, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer. Ah bah, de toute façon, on va le refaire, ces paysages. Donc, on va refaire. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc on risque toujours de tomber sur la même chose. La japonaise. Super. Voilà. Donc, enfin, j'ai prévu donc de faire en estampé le cheval et le cerf. Pour le Stitch Mania, de faire l'aquarium de Lucas et mon Caroline Manning. En HAED, le paysage et la japonaise. Ensuite, faire des avancées maximum. Alors, pour le sale mystère de Poussière d'étoiles, le sale All Forest de Julia. C'est-à-dire, je voudrais arriver à 70%, terminer l'étape actuelle du sale d'Alice au Pays des Merveilles, le sale du Colibri, terminer l'étape 1, tout au moins, et le sale des ours de Noël, terminer l'étape 2. Voilà. Et si il me reste du temps, un petit peu de Bouddha, un petit peu de Nouvel An. Voilà. En sachant, tout est tombé le même jour, mais bon, on a un mois. Alors, non, on n'a pas un mois. J'ai trois duos qui commencent le 1er juin. Donc, je ne pense pas broder les trois le 1er juin, mais bon. Il y en a un, je vous avais déjà dit, donc c'est le hibou avec Jennifer. De la chaîne, alors je ne sais plus dire le nom de sa nouvelle chaîne, c'est Mouflette Bricole et Papotage, je crois. Mais de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Tous les liens des personnes dont je vous parle, je vous les mets en bas. Je dois commencer en duo avec Céline une broderie chat Lily Point. Voilà, on a chacune la nôtre, mais ce sera du Lily Point toutes les deux. Donc, on va aussi commencer le patchwork sampler avec le gang des Québécoises. Mais là, c'est des étapes de 3 mois. Donc, ça va. On va faire 10 cases. On va faire 10 cases sur 3 mois. Voilà. Donc là, ça va. Ça fait quoi 4, 4, 8. Ouais. Si on fait une case par semaine. Ouais, on va faire une case par semaine. Donc en 3 mois, c'est tout à fait faisable. Donc voilà. Alors, je passe un message. Je passe un message. Mon message, c'est que pour l'instant, au niveau des duos, je suis complet, puisque j'ai encore aussi le Halloween Quaker qui commence, certainement ici au mois de juin ou plus tard des 1er juillet. On n'a pas encore défini exactement la date.
Mais là, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont demandé pour faire des duos. Mais pour l'instant, je vais vous mettre sur liste d'attente. parce que là, je ne pourrai plus. Comment? Je ne pourrai plus rien commencer d'autre pour le moment. Voilà. J'espère que vous me comprendrez et que vous m'en voudrez pas. Bah écoutez, je crois que niveau broderie, j'ai tout dit. C'est déjà pas mal, hein? Non, j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. Ben alors, vous me dites rien. J'allais oublier. J'allais oublier mon challenge. Voilà, le challenge des 3000 croix par semaine. Cette semaine, j'ai fait 3890 croix. Donc, challenge bien gagné. Je m'applaudis. Voilà. Jamais si bien servi que par soi-même. Je suis contente. Voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, de vous parler d'un truc niveau broderie, mais je ne sais plus. Ouais, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais quoi? Mystère et boule de gomme. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Et j'ai aussi, c'est pour ça que je vous dis que je ne vais plus rien commencer. Parce que j'ai également mon automne Quaker de Rosewood. Ah, j'ai oublié. Je vous marquerai à commencer, puisque ça y est, j'ai reçu les fils. Donc celui-là, je le commencerai aussi, mais je ferai peut-être un petit peu à la fois, sans se presser. Voilà. J'ai le temps de toute façon, vu le nombre de broderies, j'ai le temps de travailler dessus. On m'a demandé aussi combien d'encours j'avais. J'en sais rien. Il va falloir que je les compte. Et pour qu'on rigole un peu, je vous ferai une petite vidéo à part. Voilà. Pour vous montrer tous mes encours. Voilà. Bah écoutez, je vais ranger la broderie, voilà, et je vais vous montrer le tricot. J'en ai fait un peu cette semaine, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Revoilà. Alors, sur quoi j'ai travaillé petit peu. Je vous dis, hein, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Mais bon. J'ai fait un peu mon pull Armel. Voilà, donc il avance, voyez. Donc, les emmanchures sont ici. Voilà. Donc, voilà ce qui était fait sur les emmanchures. Et cette semaine, bon, j'ai pas avancé énorme, hein, mais voilà ce que j'ai fait ici. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 6 ou 7 rangs. Voilà, bon, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais c'est quand même du boulot de fait. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Alors, il y a un tout petit défaut, c'est là, vous voyez, ici. Mais bon, après, quand je l'aurai lavé, je pense que j'arriverai à mieux. Mince. Ah, je me suis piquée. Pourtant, il n'y a pas d'aiguille. On aurait dit que je m'étais piquée. Je pense que. Après, vous voyez, j'ai déjà tiré un petit peu le fil, ça se voit moins. Voilà. Mais bon, ça c'est le dos, donc c'est pas très grave. Ah, j'ai une crampe dans le pouce. Je vous dis, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Donc là, je voudrais bien arriver ben, en haut. mais bon.
Bon, je ne sais pas si je terminerai le dos cette semaine, mais ce serait bien que je puisse le terminer. On verra bien. Parce que vous savez, vous avez pu voir dans mes déballages de laine bergère de France, j'ai prévu pas mal de choses. Faut que j'arrête de prévoir. N'est-ce pas, Amélie? Il faut que j'arrête les projets, mise projet, il faut que j'arrête. Là là. Ensuite, alors là, j'ai presque pas avancé. Franchement, bah, je l'ai fait quand celui-là? Est-ce que je sais même pas si je l'ai marqué. Ben non, je ne l'ai même pas marqué. Je l'ai fait hier ou avant-hier. Et du coup, je n'ai presque pas avancé. Alors, c'est... je remets bien. C'est mon pull fil d'art. Donc là, on est sur le devant. Hein. Le dos, lui, est déjà fait. Donc au moins, il est déjà un peu plus avancé. Et vous voyez, j'ai, pour ainsi dire, rien fait. J'ai fait 4 rangs. Oui, c'est ça, 4 rangs. Donc, c'est rien du tout. Mais voilà. Donc, j'espère bien l'avancer également. Je voudrais arriver aux emmanchures déjà. Après, bon, avec le devant, ça devrait aller plus vite. On verra. Alors, niveau tricot, mais j'ai pas pu faire plus cette semaine. Le pull de chouchou est toujours dans le sac. Pauvre chouchou. Donc, son pull est toujours dans le sac. Mais bon, je suis à jour. Je suis à jour sur ma couverture météo de cette année. Alors, je vous montre cette semaine. Voilà. Donc, on est où? On est là, oui. Cette semaine, c'est ici, jusque-là. Alors, vous voyez, les couleurs, c'est pas très, très réjouissant pour l'instant. Mais bon, j'espère que ça va bientôt changer, qu'on a du jaune, du orange, du rouge. J'espère que ça va bientôt changer. Alors, niveau... je suis à combien là? J'ai pas mesuré. Est-ce que j'ai un mètre là? Je ne suis pas sûre. Non. Où est-ce qu'il est mon mètre? Là peut-être. Non, là. Je crois que j'en ai un ici. Je crois. Hein. Ah ben non, il est plus là. Ah zut! Alors, peut-être dans celui-là. Yes. Alors, je suis à combien? Oh, je dois bien être à 1 mètre là. Je sais plus à combien on était la dernière fois. Alors. Alors, on est à 1m10. Voilà, on est à environ à 1m10, et donc on est bientôt la fin mai. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4. On est à presque 5 mois de couverture. Voilà. Et donc, j'ai fait 1m10 déjà. Donc, sur 5 mois, ça fait 2 mètres
juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, on va refaire 1m10, ça fera 2m20. Novembre, décembre. Ouais, ça va être, ça va faire un petit 3 mètres. Alors, je sais pas si la laisse entière ou pas, je verrai. Je pense que cette fois-ci, je vais la laisser en un seul bloc. J'ai pas envie de m'embêter cette année. Donc, voilà. Bon, c'est long à remballer ces mètres. Il avait une boîte avant, mais j'ai perdu sa boîte. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, niveau tricot, crochet, c'est tout également. Là, pour l'instant, je ne mets pas de projet en route. Je vais essayer de continuer à bien avancer mes pulls pour pouvoir mettre d'autres projets en route. Je verrai au fur et à mesure. Ce que je vais choisir comme pull pour quand j'en aurai terminé un. Hein. J'aurai terminé, me dépêcher sur le pull Feldar, me dépêcher bah, sur le pull Armel et sur le pull à chou, bah, enfin sur mes trois pulls. Voilà. Mais bon, on verra ce que ça donne. Hop, je renroule. Alors, je la roule toujours, ma couverture, jusqu'au temps que je ne pourrai plus. C'est pour qu'elle évite de chiffonner. Voilà. Bon, ce n'est qu'une couverture, hein, mais si on peut éviter de la chiffonner, c'est pas mal. Je pense avoir tout dit, tout fait, tout bien. Alors, vous avez pu voir que ces derniers jours, j'ai mis des nouvelles vidéos en ligne. Celle que j'ai mise aujourd'hui, bah, il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais bon, il y a eu du soleil. Hein, donc, ouais, effectivement, je vois la 88 vues pour la revue anglaise de broderie. La box surprise de poussière d'étoile, 90 vues uniquement. Là, ça m'étonne vraiment beaucoup. La box broderie, la 217 vues. Le déballage de mère en fille, 321 vues. Ça, c'est bien. Je vous ai fait une vidéo aussi où je range ma laine de Bergère de France dans ma tricothèque. 250 vues. Mon déballage de commande Bergère de France, 382 vues. Et la présentation des produits DMC, 496 vues. Par contre, pour Univers Broderie, 811 vues. Voilà, donc ça a plu. Et j'ai... Ah oui, on a pété l'ambiance là. du journal créatif de la semaine dernière, 1200 vues. Alors là, depuis que je fais le journal créatif, bah, c'est le plus gros taux de vues. Jusqu'à maintenant, donc j'en suis très heureuse. Voilà, mais bon, je vous avais fait une vidéo de 2h10, donc je pense que ça a bien plu. Aujourd'hui, ben, la vidéo est un peu plus réduite. Là, on est à 1h30, donc on n'aura pas beaucoup plus, mais j'espère la semaine prochaine vous avoir fait quand même. Une vidéo un peu plus longue. Voilà. Ouais, je vais faire un petit point de toute façon sur les vidéos que je fais, celles qui plaisent, celles qui plaisent pas. Parce que bon, il y a peut-être des vidéos que vous n'aimez pas. Il y a peut-être des vidéos que vous adorez. Je ne sais pas.
Et c'est vrai que moi, c'est compliqué de vraiment de savoir. Comme là, vous voyez, il y a un petit moment, il y a un mois, j'avais fait une vidéo sur un produit Action que je ne trouvais pas bien. Là, j'ai eu 1400 vues. Voilà. Et bon, les unboxings, je sais que beaucoup en ont marre, mais donc ça, je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup, qu'il n'y ait pas toujours énormément de vues. Voilà. Je regarde, mais ouais. Ouais, non, le journal créatif, c'est la première fois qu'il y a autant de vues. J'en suis contente, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Que ça prouve que le boulot que je fais sur ma chaîne vous plaît quand même. Vous voyez ce que je disais, la vidéo sur ça, par exemple, je vais peut-être plus en faire. La vidéo sur mes présentations de revues anglaises de broderie. Il faut que je voie. Alors là, j'ai reçu celle du mois de mai, très très en retard. C'est la vidéo que j'ai mise là. Et là, je crois. Alors, j'ai une copine sur mon groupe qui m'en avait parlé. J'avais trouvé ça bizarre, mais en fin de compte, ben non, je trouve plus ça bizarre. Parce que j'ai reçu un message comme quoi j'allais recevoir un petit colis, enfin un colis. Avec des frais de douane. C'est là vraiment la toute première fois que ça m'arrive. J'ai réfléchi. De toute façon, les partenariats, c'est pas possible. On n'a jamais de frais de douane. Donc, je ne vois que ça. Je ne vois que ma revue anglaise de broderie. Et si c'est ça, si maintenant on nous fait payer des frais de douane, ben, je suis désolée, mais j'arrêterai de l'acheter. Parce que là, on me demande 8 euros de frais de douane pour une revue que je paye 10 euros. Donc, mais bon, je vous confirmerai si c'est ça ou pas. Je pense que je l'aurai lundi ou mardi, je ne sais pas. Mais je viendrai vous en reparler. Et si c'est ça, donc j'attends aussi la revue de juillet. Donc là, je peux pas revenir en arrière. Mais si je vois que pour celle de juillet, on me demande aussi des frais de douane, stop, j'arrêterai de prendre cette revue à mon grand désespoir. Mais bon, voilà, je vais pas payer non plus, enrichir la douane. Pour une revue, voilà, parce que 8 euros pour une revue, je trouve ça un peu cher. Donc voilà, bon, ben, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, donc n'hésitez pas, je vous dis, je sais qu'il a fait beau là ces 2 derniers jours, donc vous étiez mieux dehors qu'en train de regarder mes vidéos. Demain il pleut, donc allez-y, regardez mes vidéos. N'hésitez pas à regarder mes vidéos. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc je refais un challenge 3000 croix pour la semaine prochaine. Voilà. Et je vous ai dit donc ce que j'avais prévu. Bon, je peux peut-être en rajouter suivant le temps que j'aurai dans la semaine. Ou peut-être que je vais devoir en enlever. Voilà, on verra bien. On fera le point dimanche prochain. Donc moi, je vous filmerai samedi. Et on fera le point et on verra si j'ai bien travaillé ou pas. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas, du coup, comme je viens de vous dire, d'aller voir les précédentes vidéos. À me laisser des commentaires, Et à chaque fois que vous regardez des vidéos, pensez à mettre des petits pouces. Ça fait toujours du bien à la chaîne. Voilà. Mais maintenant, je vais vous laisser. Voilà. On se retrouve très rapidement pour
pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous. Thank you.